Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo petite suspension, je sais pas comment on peut appeler ça. Je sais pas, appeler ça comme vous voudrez, ça n'a pas d'importance. À partir d'un rondin de bois, vous savez que j'aime beaucoup faire avec les rondins de bois. Donc on va essayer de faire ça. Je veux autre chose mais je ne me rappelle plus. Alors j'ai pris des petits éléments. Ça. L'abonné m'avait envoyé ça, c'est très très joli. Également ça, ces petites découpes faites sur du vélum, c'est Rose Bonbon Coco qui m'avait envoyé ça. Donc je vais m'en servir. Et puis des fleurs, enfin on verra. On verra, là j'avais des petites baies roses mais j'ai trop. Voilà, je voudrais faire quelque chose d'assez doux. Et je vais déjà commencer par mettre peut-être, on va voir hein, ce que ça fait, un peu d'encre. Sur mon bois, j'ai mis mon pistolet à chauffer. Alors, je suis un peu ancré. Comme ça, le tour. Comme ça ressort un petit peu plus. Et je vais essayer de peindre un peu ça, mais voilà. Là, j'ai mis ici, c'est une petite théière. J'ai pas mis de lumière, hein, comme il y a un beau soleil dehors. Bon. Je vais mettre les roses comme ça. Je vais faire un peu dépasser, oui. J'ai essayé de faire du rangement hier, mais bon. Je vais voir. Je vais voir. Ah, c'est comme les petites roses aussi, j'en voulais. Je vais regarder. Je vais me servir des feutres aquamarqueurs. Donc j'en mets un peu là. Je cherche un pinceau. Alors celui-là, c'est le 101. Yellow ocre. Un petit peu d'eau. Je vais voir ce que ça fait. C'est vraiment pour juste donner un petit peu de relief au dessin, mais je le laisse blanc quand même, oui. Voilà, je veux que ça soit un peu dans les beige et blanc, ma petite déco, parce que c'est joli. Vous voyez, tout ce qui est fleurs, choses comme ça, je vais mettre un peu de couleur dessus. Elle s'était cassée, hein, la petite tasse. J'avais recollé là. Mais je me débrouillerai pour mettre un petit branchage dessus. Pour cacher, quoi. La petite marque, c'est pas que ça se voit beaucoup, hein, mais bon. Je sais pas si vous voyez bien. Peut-être rapprocher un peu. Voilà, en fait, je caresse des motifs comme ça. Ça se met uniquement sur les reliefs, quoi. Il faut vraiment y aller mollo, mollo. Voilà, un peu comme ça. Je pense que comme ça suffit. Vous voyez, il faut pas... C'est pas à peine d'en mettre trop. On va rincer quand même. C'est pas à peine d'en mettre trop. Je vais déjà coller ma petite théière. Je sais pas si je mets avec peut-être de la taquiglue. Textile glue. À chaque fois, je mon mouscaille à sortir ces trucs. Hop.
Hop, on en met un petit peu, pas besoin d'en mettre partout, hein, vous en mettez où il y a besoin. Voilà, et là, pareil pour les petites roses. C'est joli comme tout ça, c'est de l'embossage. Alors, je sais pas si c'est elle qui l'avait fait. Parce que, je sais pas, elle aurait dû en faire une vidéo ou montrer, parce que c'est vraiment joli. Ah, c'est, pour moi, c'est plus joli que... Voilà. Par contre, hein, c'est un peu délicat. Hein. Ça, on dirait que ça rebique. C'est très bizarre, ça. Bon. On verra ce qu'on fera. Vous voyez ce que ça fait? Ça rebique. Fallait peut-être mettre du double face. Carrément. Je vais voir. Hop, on va mettre là. On va voir ce que ça fait. La colle, ça fait rebiquer le vélum. Je sais pas pourquoi. Tu viens? Allez. Voilà. Là, on met ça. Là, je sais pas. Voilà, ça fait comme ça, mes petits trucs. J'adore. Je vais mettre mon pistolet avec la colle. Voilà, pour l'instant ça fait ça. J'avais du petit branchage, vous voyez, que je vais mettre là également. Ça va cacher ma petite fissure là. C'est délicat, hein, très délicat. Voilà, restons délicat. Ça, les petites pinces magiques. C'est pas des pinces. Voilà. Je vais venir quand même mettre des petites fleurs. Quand même. Le petit nœud est très mignon. Vous voyez, ça c'est dans les petits nœuds comme on voyait aussi. Qui est beige. Vichy beige et blanc. On adore. Mais je vais voir où je vais mettre. Parce que j'avais des petites fleurs comme ça. Blanche marron. Par contre, est-ce que c'est pas trop gros? Rien n'est moins sûr. Je sais pas. Ça a l'air un peu gros, mais bon. On va voir. J'aurais préféré tout petit, mais je crois qu'on en a plus. Il faudrait que l'action se renouvelle. Hein, je suis un peu en retard pour me répondre à mes commentaires, faut pas m'en vouloir. J'ai pas mal de problèmes de santé en ce moment. Donc voilà. Ceci empêche cela. Même là, je me suis forcée à venir faire quelque chose parce que j'ai envie, hein. C'est pas que j'ai pas envie, mais voilà. Il n'y a pas la patate. Donc bon. Alors, on va mettre ce petit nœud. J'ai envie de le mettre. Je sais pas où, mais je vais le mettre. Bah, je peux pas le mettre sur les fleurs. À moins qu'il soit trop gros. Hein. Il est peut-être trop gros aussi. Hein. Je sais pas. Je vais le mettre là. Hop là. Hop
comme ça. Voilà. J'aime bien. Je crois que je vais peut-être mettre un peu le feu. Allumer le feu. Je sais pas où est mon briquet, comme d'hab. Hein. Ça change pas non plus, ça. Hein. On va pas changer une équipe qui gagne. C'est qui il est. Je sais pas. Je sais pas où c'est. Puis j'ai trop mal à la main. Je peux pas. Je viendrai le brûler après. C'est pas grave. Est-ce que je mets. Non, vous voyez, ça, c'est rose, rose. J'aime pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Je regarde toujours ce que j'ai sous la main. Ah, c'est joli, ça. Fleur de résine, là. Il y avait ça aussi. Mais ça, je voulais le faire pour autre chose. Bon, voilà. Moi, je crois que... Je sais pas, je vois pas autre chose à mettre. Je vois pas pourquoi. Si j'avais du lierre comme ça, un petit feuillage... Il est très gros. Alors, j'en avais un autre. Il est où? Il est là. Il faut vraiment le briquet. Je vais le chercher. Voilà, je vais juste venir. Même là, là, pour appuyer, ça me fait mal. Ah, ça fait très mal. Mais, je sais même pas dit que je... Même pas dit que je les mette, en plus. Ça fait très mal. Ça, et j'avais dit voilà, je sais pas si je mets des, j'ai envie mais j'ai pas de place, c'est ça le problème. Je sais pas, mettre ça comme ça. Comme ça. Je sais pas du tout. Peut-être comme ça. Dans un coin. Alors, je vais mettre quand même une petite ficelle dans le dos. Pour comment dire, là je la dépiote hein, carrément, parce que sinon j'ai pas assez de place pour mettre. Voilà, n'oubliez pas par exemple quand vous êtes chez Action ou autre, hein, j'ai Action, mais tout le monde n'a pas d'Action, hein, d'acheter des fausses fleurs, des faux branchages, ou parce que franchement on scrape, ça sert. Moi je trouve que c'est, j'aime bien quoi. Voilà, ouais, t'as qu'à faire ça. Pourquoi tu t'en vas toi? Voilà, vous voyez par exemple. Et si on veut on peut mettre deux petits brillants ou pas, on pourrait hein. Je sais pas, là j'ai des petits trucs qu'on m'avait envoyé aussi, je sais pas. Bon, enfin bref. Ah oui, j'avais dit que je mettais ça. Je voulais mettre non les beiges, mais j'ai plus trop de place hein. Donc, franchement, mais c'est très joli. Oui, on peut quand même en mettre. On met les toutes petites hein, évidemment. Je trouve que ça fait pas mal. Donc, on va en placer. Je sais pas si la colle est sortie, j'ai rien vu du tout. Parce que ces petites perles, elles sont pas. Elles sont pas autocollantes. Elles ne sont pas autocollantes.
Alors, je sais pas si Rose Bonbon Coco passera par là, ce qui m'étonnerait, hein. Mais bah, elle verra que je me suis servi de ces petites perles, de ces petits découpes là. Je mets les perles, c'est pour ça que je pense à ça. Et voilà. Il n'y a plus qu'à mettre une petite attache derrière. Et puis, c'en est tout pour ma petite suspension romantique. Chabi romantique. C'est pas chabi, c'est colle tout, quoi. C'est tout, c'est une suspension colle tout. Voilà. Ou t'es colle tout, ou t'es pas colle tout, c'est tout. Bisous, bisous. Chez vous. Bye bye.